Salut les vilains! Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Let's Play sur le Batman Arkham Knight. Et avant tout je tiens à m'excuser d'avance pour les habitants du Dom Tom et du territoire allemand qui ne pourront pas voir cette vidéo. Bon, c'est un petit peu con parce que du coup ils pourront pas entendre mes excuses, mais je peux vraiment rien faire hein. C'est malheureux, c'est le studio qui a fait comme ça, je sais pas, ils veulent pas. Donc je ne peux pas vous rendre la vidéo visible, tout simplement. J'aurais pu faire des lives, j'avoue que je pourrais faire des lives sur ce jeu. Malheureusement j'ai de moins en moins de temps. Que The Witcher 3 prend mon dimanche et que là je commence à faire un petit peu pas mal de projets. Je suis vraiment désolé mais je ne pourrais pas vous faire ça en live. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi une telle discrimination envers les habitants d'Allemagne et les Dom-Tom. C'est-à-dire que tous les Français normalement sont capables de voir les épisodes Batman Arkham Knight, mais tous ceux qui habitent les îles françaises, par contre, non, ils n'ont pas le droit. Voilà, oh, sympa la petite. Je vais la faire tomber? Non, je peux pas. Donc voilà, c'est complètement con, mais c'est comme ça. Je peux pas changer le monde et la connerie des gens, et ça c'est bien triste. Pour ce qui est... oui, et apparemment d'autres Français seraient pas capables de voir la vidéo des habitants de la métropole. Hein. Enfin, on a compris, de France métropolitaine en gros. Alors je sais pas, franchement là, je n'ai pas de solution. Hein, j'ai d'ailleurs copié-collé en commentaire de la première vidéo pour vous montrer les pays qui... Enfin, les territoires qui étaient interdits de vidéo en gros. Et je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ça m'énerve, hein. Certainement plus que vous, mais je ne peux absolument rien faire. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de dislikes sur mon premier épisode à cause de ça. Je m'en excuse, mais je ne peux pas. Je peux pas faire autrement. Donc si vous voyez encore des commentaires comme quoi oui, je peux pas regarder la vidéo, si vous pouvez leur répondre en disant voilà, je me suis excusé, etc. Voilà. Ça serait sympathique de votre part. Sinon je le ferai. Hein. Alors. Attaque latérale. Attends. Boum! Oh là là! Super stylé, j'espère que c'était pas un innocent par contre. Ça fait un petit peu à la F0. Genre on peut faire une petite attaque comme ça là. Attends, comment c'était? Ah, on peut pas la faire s'il n'y a pas de... d'accord. Faut vraiment qu'il y ait une voiture à côté de nous quoi. On peut pas le faire dans le vide. C'est quoi ça? C'est une blague? Je croyais qu'on nous attaquait. L'analyse de la toxine de terreur donne quelque chose? Ça va prendre encore un peu de temps. Passez me voir à la tour de l'horloge quand vous pourrez. Je vous montrerai où j'en suis. Qui t'a appris à conduire? L'épouvantail va te briser, Batman! Franchement, pourquoi est-ce que tu te démènes pour ces humains? Des troubles civils? C'est la guerre dans les rues! On n'a ni les hommes ni l'équipement qu'il nous faudrait! Tenez, regardez qui est là. Ivy, ça nous fait toujours un souci en moins. La cellule d'isolement est prête. Ravi que vous en fassiez bon usage. Oh super, une autre cellule. Ok, donc on a enfermé Poison Ivy, et certainement que peut-être le jeu va évoluer comme ça, il va falloir enfermer tous les grands méchants du... de... comment on appelle ça? Gotham? Peut-être, hein? Peut-être que ça va être ça, par contre je sais pas quoi faire maintenant. Bonjour, messieurs, puis-je m'immiscer dans la conversation? Non? D'accord. On va essayer de retourner voir Gordon, qui est là, il me semble, non? Non, il était pas là, Gordon? Gordon? Ah, on n'a plus la vision chelou là qu'on utilisait tout le temps dans les anciens Batman. La vision thermique. Je peux pas l'activer là. Salut. Si ça tenait qu'à moi, on utiliserait ces armes au lieu de les laisser prendre la poussière. Ok. Ah, il y a des méga serveurs ici. Salle d'épreuve.
Ah non, c'était pas des serveurs, d'accord, c'est des trucs, c'est des vides blindés. Eh, mais c'est super sympa par ici. Archive. Interagir avec le présentoir de Bane. D'accord, ils ont cru que c'était un musée, quoi. Ça, c'est les armes du Joker. C'est quoi, ça? Le chapelier fou? Jamais entendu parler du chapelier fou. L'électrocuteur, ça appartient à qui, ça? Peut-être à Mr. Freeze, non? Alors ça, c'est... le masque rouge, non? Attends. Qu'est-ce qui est écrit? Je sais pas. Et ça, c'est quoi? C'est une arme. C'est mon arme, ça, non? La charge électrique utilisée par Batman, alias... On préfère pas savoir. Batman l'a laissé là avec le reste des éléments à charge d'Arkham City. Sympa d'avoir du matériel. C'était mon arme. Je sais pas pourquoi je leur ai donné. Ok. Ah, Black Mask. Ça, c'est l'arme du ninja qu'on avait battu dans le City. Et ça, je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est, par contre. Enfin, c'était une Thompson, mais... Je vois pas d'où ça vient. Deadshot. Interagir avec le présentoir de Killer... Ah non, Deadshot, voilà. Killer Croc, c'est là. En fait, y a rien. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça, c'est encore des... Ah, voilà, c'était les armes de Ra's al Ghul. Ok. Bon, bah, super. Ça fait certainement un petit truc de... Bah, comment dire? Un petit truc secondaire, quoi, ou pour collectionner des équipements. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, en fait. Ça, y avait un truc, là, non? C'est juste la porte qui a laissé des traces au fil du temps. Ah bah voilà, Gordon était ici. Un politicien, monsieur, ça ne me concerne pas. Allez au diable! Foutu bureaucrate. On est seul dans cette histoire. On s'en sortira. Quelles sont les nouvelles? On a des incidents qui surviennent dans toute la ville. Cash, faites-nous un compte-rendu. Bon, voyons voir. Tout d'abord... On a perdu le contact avec l'équipe de pompiers de la station 17. On a leurs dernières coordonnées connues, mais ils ne tiendront pas bien longtemps livrés à eux-mêmes là-bas. Ensuite, quelque chose d'étrange. Un corps a été découvert. On n'a pas pu l'examiner en détail avant l'évacuation. Mais les légistes ont été troublés. C'est pas beau à voir. Par ailleurs, l'homme mystère a été aperçu plusieurs fois en train de rôder vers le dépôt ferroviaire. Le connaissant, il doit préparer un mauvais coup. Je sais que vous êtes occupé, mais le peu d'aide que vous pourrez apporter sauvera des vies. Ne vous inquiétez pas, Jim. J'ai quelqu'un qui enquête sur l'épouvantail. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. J'ai envoyé une petite équipe pour quadriller le sud et l'ouest de Gotham. Je vais les rejoindre dès que j'ai fini ici. On va trouver cette pourriture. D'accord, donc en gros, on va devoir faire des quêtes secondaires pendant que le fil rouge se démêle tout seul. Utilisez l'écran de sélection de mission, nanana, chaque nouveau super vilain ou nouvelle mission que vous découvrirez est automatiquement ajouté à cet écran. Si vous voulez traquer les pointailles, sélectionnez l'icône en haut de l'écran. Bah, moi je veux traquer, bah ouais, moi je veux faire la quête principale. Je m'occuperai de ça plus tard, l'épouvantail est la priorité. Ouais bah voilà, on est d'accord. Donc c'est parti. Ouais non, moi je vais faire les quêtes principales. Ouais. On est là pour ça. Se regarder dans la glace après ce qui s'est passé dans ce restaurant. Capacité d'accueil 1%, ok. Ouais, c'est ça, je crois. On va collectionner les. On va collectionner les détenus, quoi. Non, lui, c'est le mec de la milice. Je crois que c'était. Calenderman, vous voyez. Le chauve, là. Qu'on avait vu dans Asylum, je crois, d'ailleurs. Ok, c'est parti. Franchement, j'aime bien ce concept de QG et de trucs à collectionner. Et la Batmobile, surtout. Surtout la Batmobile. Franchement, la Batmobile, ils ont dû prendre je sais pas combien de temps à rendre le gameplay aussi bien, mais c'est parfait, quoi. Franchement, c'est parfait. La Batmobile est parfaite. Alors, on a la post-combustion. On respecte personne. Les pauvres types innocents en voiture, comme ça, ils ont pas quitté la ville. Tout le monde meurt. Alors, c'est ici. Hop, on va sortir. Hop là. Donc, petit coup de grappin. Oh là, regardez comment on grimpe vite. Oh là 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 là. Tout ça, on aurait dû limite l'escalader dans les précédents. On aurait dû faire un petit peu d'escalade et là. Piou, parfait. Attends. Ok.
Mode détection. Ah voilà, donc en fait le mode détection s'active comme ça maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un truc planqué. Quoi? Ah, c'est ma planque dans le jeu. D'accord, je me suis dit, mais attends, mais le mec il dit identité confirmée, il sait même pas qui je suis quoi. D'accord, c'est ma nouvelle planque. Dans votre bas de cave, farfouiller dans vos affaires. Vous avez réussi à réduire le composé à ses éléments de base. Mais il ne contient rien qu'on puisse traquer. Peut-être qu'on prend les choses dans le mauvais sens. Si au lieu de chercher la toxine, on se tournait vers son processus de fabrication. J'aurais dû y penser. La réaction génère un pic de radiation unique. Scannez la ville et trouvez cette empreinte énergétique. Comme ça, on saura où l'épouvantail fabrique sa toxine. Ça va prendre quelques heures pour aligner les satellites. On n'a pas le temps. Je vais rediriger l'antenne des studios de cinéma. Bruce, j'ai eu mon père. Je déteste lui mentir. Il me tuerait s'il savait que je suis encore en ville. Il s'en veut encore pour ça. On arrêtera l'épouvantail. Ok. Donc moi je me tire comme ça, là bien en fait. J'étais parti pour prendre l'ascenseur, mais non, c'est plus pratique comme ça. Jim, on a un moyen de localiser l'endroit où travaille Crane. Dieu merci, qu'est-ce que je peux faire? Préparez vos hommes, je vous ferai signe dès qu'on en saura plus. Parfait. Ok, let's go. Ah oui, c'est vrai qu'on peut... Attendez, on peut plonger comme ça. Ah non, c'était pas ce que je voulais faire. Vous savez, on pouvait faire des trucs pour prendre plus de vitesse alors. Ah voilà, comme ça. Bah c'est raté là, c'est complètement raté là. Je me suis complètement planté. Merde. Mais wesh. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Le mec il a fait un méga comeback, c'était pas là-bas que je voulais aller Batman. Oh putain mais, et le grappin il a une portée de star. Regardez-moi ça. Limite, tu peux faire 2 km avec ton grappin quoi. Attends, je vais essayer de l'envoyer comme ça là-bas. Non là c'est trop loin. Ça aurait été cheaté un peu. Hein. À boost de grappin? C'est quoi ça? Non, pas compris. Alors, je vais essayer de faire le truc que je voulais faire là. Comment on fait déjà? Bah, je trouve pas. Hein. Je sais qu'on pouvait plonger. Ah, voilà, ça y est, j'ai réussi. Ah, voilà, c'était trop tard, on était trop proche du. Oh! Joli petit truc à la Mirror's Edge. D'ailleurs, le nouveau Mirror's Edge qui va sortir en fin d'année, je crois. On fera le premier avant. Hein. Ça sera l'occasion de le faire. Ça fait un moment que je l'ai acheté et que je l'ai pas fait. Justement, parce que je prévoyais la suite. Zioup là. Là, le petit piqué. Et voilà. C'est vraiment, mais... Pff. Et le gameplay en plus, il est super fluide comparé aux autres. C'est l'éclat total. Ouais, fixer le dispositif. Et on se tape même pas les petits mini-jeux à la con. À croire, ils m'ont écouté, quoi. Vraiment à croire, depuis toutes mes vidéos, ils ont écouté mes conseils. Ils ont fait exactement le jeu comme je voulais. Je dois le contourner et alimenter directement l'antenne. Rebonjour, monsieur Wayne. Que puis-je faire pour vous cette fois? Le treuil électrique est prêt au déploiement? Il est opérationnel à 100%. Sauf si vous avez l'intention de hisser votre voiture jusqu'au sommet d'un immeuble. Vous êtes télépathe. La télépathie fait partie de mon travail, monsieur Wayne. La Batwing est en route. C'est quoi ça? Récupère le treuil électrique pour la Batmobile. Attends, c'est par là. Il a une sorte de panel de gadgets, Batman, c'est complètement abusé. Moi je me rappelle quand je regardais le dessin animé, il avait quoi? Il avait son grappin, les petits trucs qu'il lançait là. Après je me souviens pas qu'il avait des trucs de ouf, le mec... je sais pas. Tout ce qu'il veut, il a en 2 secondes. Bon, vous allez m'emmener une grue ici les amis, hein. Ok. Une jolie preuve que... Une jolie preuve que l'argent fait tout, hein, un peu. Ah. Donc voilà, ça va nous... Ah mais si, ça je me souvenais de ce truc. J'avais même un jouet. Et genre il s'emboîtait avec la Batmobile. Ah ouais, ça c'était super ça.
Genre là, voilà, ça va se... Voilà, comme ça. Hop, hop, hop. Enfin, moi, ça s'emboîtait plutôt en mode... Il n'y avait pas de grappin et tout. Il n'y avait pas ce truc chelou qui... Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? What? Ah non, ça s'est pas emboîté. Il m'a donné un... Avez-vous prévu de hisser la voiture jusqu'au toit? J'improviserai. C'est quoi ce bordel? Le treuil a besoin d'un point d'ancrage solide pour fonctionner. Une fois attaché, il suffit de faire marche arrière. Et ah, s'il vous plaît, soyez prudent avec la voiture, monsieur Wayne. Elle est unique. Ouais, je pense que je l'avais compris, ça t'inquiète. Donc en fait, là, ce qu'il va falloir faire, c'est... Voilà, on tire et du coup, ça va nous créer des... Attends. Ça va nous créer des passages. Voilà, d'accord. J'avais pas compris, je pensais que le truc qui volait, là, il allait nous emmener directement sur le toit, mais pas du tout. Genre, on peut faire ça avec un peu tous les éléments du jeu? Ça serait complètement craqué. Genre, tout est destructible, presque. Évidemment qu'il y aurait des trucs... non, mais... Alors là, du coup, je fais quoi pour m'ouvrir un passage? Bah merde. Et je dois tirer où, là? Ah, pour se déplacer dans les zones étroites. Attends. Bah... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il y avait... Comme si on pouvait inter... Ah oui, attends. Pardon. Je suis un peu con, des fois, quand même. Comme ça. Là, on recule. Voilà, donc on s'est ouvert un passage. Mais bah non, en fait. Pas du tout. Qu'est-ce que je fais là? Ah. Et genre là je passe en dessous? Non, c'est pas possible. Bah non. Attends, on va essayer d'aller comme ça là. On peut tomber ou... Bah je tombe. Ok, ça c'est complètement fail. Attends. Je défonce le portail déjà, voilà. Sans respect. D'ailleurs je sais pas comment il a pas été défoncé avant, mais... Oh putain! Oh putain! Ceci était un fail! Bon, ta voiture unique, elle va revenir un peu rayée quand même, hein? Monsieur le télépathe. C'est compliqué là, j'ai pas compris. On a réussi à arracher le bout là, mais à quoi ça servait, je ne sais pas. Là, on va essayer de pas se rater. Voilà, parfait. Une fois qu'on est là. Ah, d'accord! D'accord, d'accord. C'était pas pour passer en dessous. C'était pour. Je sais pas où ça va nous envoyer cette merde, mais... On est des fous! Contrôle aérien, contrôle aérien! Mais putain! C'est quoi ce bordel? Ils ont cru, ça y est, j'étais le roi de la Batmobile déjà. Oh, calmez-vous! Voilà, c'est fait exprès, hein. On est censé se fail comme des gros connards au début, hein. Comme ça, on apprend un petit peu les contrôles. Oh, j'ai eu peur quand même, hein. Donc attends. Vas-y, recule. Hop. Comme ça, comme ça, comme ça. J'ai pas compris le contrôle aérien par contre, hein. J'ai vraiment pas capté. C'était juste le joystick en fait, mais ça n'a pas fonctionné. Et là du coup voilà, on fait le tour comme ça. Bon, ça prend un peu du temps quand même, hein. On va pas se mentir. Hop. Oh là là, mais on est tellement des vandales, on casse tout. Là il va y avoir un saut, non? Non, c'est bon, on peut passer comme ça. Ah là par contre oui. Ah non, super, il y a un treuil, attends. Centrale, hop. On a trouvé le camion de la station 17 à Dixon Dock West. Allez. J'arrive pas à le casser. Oh. What the fuck. Ça veut pas se péter en fait. Attends, je vais essayer comme ça. Le point d'ancrage est bien fixé au mur. Je ne peux pas le faire bouger, mais peut-être qu'il peut supporter le poids de la Batmobile. Ah. La petite idée. D'accord. Excellent. Vraiment excellent. Très bien. Et oui, mais ça c'est parce que c'est crypté. Mais est-ce que dans la ville, genre, on pourrait faire des trucs comme ça? Ça serait vraiment pas mal. Et là, du coup, je vais pouvoir exploser, là. Attends, qu'est-ce que... What the fuck? Pourquoi je suis à la première vue, là? J'étais à la première personne. Attends. Voilà, et là. Hop. J'accélère. Ouais. What? J'ai pas compris. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faites doucement monter le régime moteur jusqu'à la zone rouge pour alimenter l'antenne.
Ok. J'ai réussi là? Je crois que j'ai réussi. Bien. Et on laisse ça comme ça du coup. Parfait, je me connecte. Je viens de discuter avec Robin. Vous devriez lui parler. Bruce, tu as besoin de moi. On trouvera l'épouvantail plus vite à deux. Ce que tu fais est plus important, Tim. C'est pas à la minute. Je t'accompagne. Je contrôle la situation. Ah, d'accord. Écoute, essaie de me tenir au courant de temps en temps. On fait équipe, je te rappelle. Il veut seulement aider, vous savez. Est-ce que l'antenne est prête? Oui. Mais il nous faut une tour à micro-ondes pour trianguler la position de l'épouvantail. Il y en a une chez Falcon Shipping dans le chaudron. Je l'ai indiqué sur votre carte. Merci, Oracle. Ok, donc là, on peut commencer à partir. Donc pour l'instant, on abandonne notre Batmobile, en fait. Juste le temps de localiser l'usine de l'épouvantail. Enfin, j'espère, parce que si on a déjà plus la Batmobile, je vais pleurer comme un gosse. Attends, comment on faisait? Putain, à chaque fois, j'oublie, voilà. Aïe. Non, bah Batman s'en bat les couilles, hein, très bien. Tant mieux. Ça m'arrange, carrément. Oh là là, ah, j'ai cru que j'avais chopé à tourtout là-bas, mais non. C'est un faux espoir. Ça m'aurait vraiment fait gagner du temps. Est-ce que je touche là? Non, là oui. Zioup. Et là, on peut enchaîner. Oh là là, ça me rappelle tellement de bons moments passés sur une Infamous, tout ça. Avec le grappin électrique là. Oh, c'était magnifique. On pouvait, par contre, ce qu'on pouvait faire sur une Infamous. Oh là là, c'était génial. On pouvait slider sur les fils électriques. Oh là là, c'était magique. Magique, hein. Alors, on va ici. Je dois évaluer le danger et planifier mon attaque. Alors, mode détection. Donc, il y a 3 ennemis avec 4. 5, ok. Ils me repèrent, ils tueront l'otage. Tous avec des flingues, et il y a un otage. Pour les attirer dehors. Ok, alors attends, il y a un truc ici. Ouais, mais il faut que j'attire dehors, pardon. Ok, attends. Si je me mets là. Il y a des trucs que je peux faire péter ici, apparemment. Attends. Ah, il faut que j'aille sur tous les points d'observation. Je sais pas, ils seront plus faciles à avoir. Et là, je peux pas aller sur celui là-bas. Je sais pas pourquoi, mais d'accord. Alors, Batarang. Ok, donc là, en fait, il nous assit jusqu'au bout. Donc, je prends le Batarang. Je vise avec le Batarang. Et je vais le lancer où? Je le lance où, ton Batarang, là? Je sais pas, moi. Vas-y, lance-le. Hey, vous entendez ça? Il y a quelqu'un dehors. Vous deux, allez jeter un oeil. Ok, en gros, ça a tapé à la porte. On ne prend aucun risque. Compris, chef. Je sens que là, ça va être vraiment le moment où je vais galérer comme un connard. Je vais galérer comme un gros connard. J'ai vraiment hâte de sortir et de m'amuser un peu. Personne nous en empêchera. Ok. Ah, les émulations de Batman, elles sont super lentes. Hein. Elles sont vraiment super lentes. On va y arriver. Hein. On va y arriver, c'est le début du jeu quand même. On soit pas trop couillon non plus. Voilà. Ça fait de deux en moins. Encore 3 soldats à l'intérieur. Ils se pensent en sécurité ensemble. Alors qu'est-ce que je vais faire cette fois? J'ai affaire à une prise d'otage. 3 hommes armés. Il faut que je les neutralise avant qu'ils aient le temps de réagir. Tout est prêt? Des plaques flexibles sur une couche blindée de fluide et mer. Vous vous déplacerez plus vite et frapperez plus fort tout en paraissant plus effrayant. Allez-y, Lucius. Maintenant. C'est déjà en route, Monsieur Wayne. De quoi? J'ai rien compris à ce qu'il allait m'envoyer, mais... J'ai vraiment pas capté. À quoi ça me servir, les trucs, là? Bon, déjà, ça, c'est super discret, tu vois. Le truc, c'est une putain de fusée qui se ramène à chaque fois. Ok. Et là, ils vont pas sortir, par exemple. Alors, s'habiller. Ok, c'est la nouvelle tenue. Ah, je me disais qu'elle était pas comme ça dans les sur la boîte. Elle est un peu plus métallique.
Ok. Monsieur Wayne, je vais tout vous expliquer. Les couches extérieures et intérieures de la tenue sont constituées de tissage triple trempé au titane. Mais c'est entre ces couches que ça devient intéressant. Le fluide des mers Wayne Tech se solidifie en cas d'impact. En absorbant ainsi les chocs, vous pourrez appliquer davantage de force à vos contres. L'armure liquide est aussi plus souple que celle en fibre que vous portez habituellement. Grâce à cette flexibilité accrue, vous serez en mesure de neutraliser rapidement plusieurs ennemis d'affilée. La tenue est aussi compatible avec le mécanisme d'éjection électromagnétique de la Batmobile. Vous décollerez aussi vite qu'un boulet de canon électrique. Oh putain! À ce propos, le nouveau grappin vous permettra de vous hisser vers le haut aussi rapidement. Ne vous en faites pas, Monsieur Wayne. La tenue encaisse bien les jets. Oh là là, c'est là que ça a vraiment commencé, les amis! C'est merveilleux. C'est quoi ça? Si vous voulez lancer un diagnostic ou simplement l'essayer un peu. Bah ça, les amis, vous savez quoi? Puisque je suis toujours comme un gros méga bâtard, ça sera à l'épisode suivant. Mais moi, ça me fait du mal parce que là, ça va être extrêmement trop bien. Mais on va se retenir et ça sera donc pour l'épisode 3 de Atlas Play. Et sur ce, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss et à la prochaine.